et 16 pièces. 6 points de pouvoir pour Tic. 7 points de pouvoir pour Penny et quelques gemmes sûrement. Yes, 3 gemmes, ça on accepte. Nous aimons bien. Et 24 pièces. 10 points de pouvoir. 15 points de pouvoir pour Spike. Et 17 pièces. 6 points de pouvoir pour Jessie. 7 points de pouvoir pour Brock. Et encore des gemmes sûrement, j'espère. Yes, 5 gemmes, ça c'est beaucoup. Ça c'est sympa. Et 21 pièces. 7 points de pouvoir pour Daryl. 8 points de pouvoir pour Bo. 19 pièces. 4 points de pouvoir pour Colt. 10 points de pouvoir pour Arcade. Et doubleur de jetons. Et 19 pièces. 4 points de pouvoir pour Shelly. 4 points de pouvoir pour Bo. 17 pièces. 5 points de pouvoir pour Jack. Et 6 points de pouvoir pour Shelly. 32 pièces. 4 points de pouvoir pour Daryl. 25 points de pouvoir pour Jessie. Allez, on va ouvrir deux grosses boîtes. Let's go. Croisez toi, 50 pièces. 8 points de pouvoir pour Tic. 10 points de pouvoir pour Penny. Et 15 points de pouvoir pour Dynamike. Dommage. Attention, 64 pièces. 13 points de pouvoir pour Carl. 34 points de pouvoir pour Tic. Et 5 gemmes. Dommage. 30 pièces. 4 points de pouvoir pour Nick. 7 points de pouvoir pour Dynamike. 50 pièces, 4 points de pouvoir pour Ricochet. 6 points de pouvoir pour Spike. On croise les doigts pour notre chance, notre fameuse chance. 13 pièces, 4 points de pouvoir pour Dynamike. Et 10 points de pouvoir pour Spike. Et 16 pièces, 6 points de pouvoir pour Brock. 8 points de pouvoir pour 13 pièces, 4 points de pouvoir pour Tic, 5 points de pouvoir pour Max, 30 pièces, 4 points de pouvoir pour Daryl, 6 points de pouvoir pour Penny. Allez, on va ouvrir deux grosses boîtes, let's go. 53 pièces, 9 points de pouvoir pour Jackie, 10 points de pouvoir pour Rosa, 13 points de pouvoir pour El Costo et doubleur de jetons. 55 pièces. 11 points de pouvoir pour Arcade. 16 points de pouvoir pour Poco. 16 points de pouvoir pour Jackie. Et doubleur de jetons. 18 pièces. 7 points de pouvoir pour Bartaba. 15 points de pouvoir pour Shelly. Et 13 pièces, 4 points de pouvoir pour Jean, 6 points de pouvoir pour Jackie, 14 pièces, 5 points de pouvoir pour Mortis, 15 points de pouvoir pour Max, 17 pièces, 5 points de pouvoir pour Rosa et 7 points de pouvoir pour Monsieur M. Et 50 pièces, 4 points de pouvoir pour El Costo. Et 7 points de pouvoir pour Ricochet. Je pense qu'on accumule pas mal de pièces. Brawl. Ça c'est plutôt bien. On a 5000 pièces, let's go. 23 pièces. 4 points de pouvoir pour Tara. 6 points de pouvoir pour Tic. 30 pièces. 4 points de pouvoir pour Poco. 10 points de pouvoir pour Nita. 30 pièces. 6 points de pouvoir pour Pam. 10 points de pouvoir pour Bartaba. 16 pièces. 4 points de pouvoir pour Max. 6 points de pouvoir pour Spike. Et 3 gemmes en bonus. Ça c'est plutôt cool. 15 pièces. 8 points de pouvoir pour Bull. 8 points de pouvoir pour Penny. 14 pièces.
45 pièces. 9 points de pouvoir pour Mortis. 13 points de pouvoir pour Jean. 20 points de pouvoir pour Polly. Et 6 gemmes. Nice. 16 pièces. 6 points de pouvoir pour Bull. 15 points de pouvoir pour Poco. 22 pièces. 6 points de pouvoir pour Bartaba. Et 7 points de pouvoir pour Arcade. Et 3 gemmes. 18 pièces. 7 points de pouvoir pour El Costo et 10 points de pouvoir pour Jean. 14 pièces. 5 points de pouvoir pour Jessie. 6 points de pouvoir pour Bull. Et 16 pièces. 5 points de pouvoir pour Carl. Et 6 points de pouvoir pour Polly. Et je pense que c'est le moment qu'on aille ouvrir notre grosse boîte. Ah non, mince, on doit passer d'abord par la méga boîte. Donc c'est parti, on va passer par la méga boîte des 7000 trophées. Attention, on va croiser les doigts pour avoir un maximum de chance. C'est parti. Et on débloque 148 pièces. 9 points de pouvoir de Spike. 20 points de pouvoir pour Carl. 30 points de pouvoir pour Dynamike. 30 points de pouvoir pour Poco. 39 points de pouvoir pour Bull. Et on débloque un nouveau gadget, le gadget de Jessie. Donc bougie d'allumage, la tourelle de Jessie produit une onde de choc et ralentit tous les ennemis pris dans la tourmente. Charge par partie 3. Intéressant. Oh nice. Le gadget de Colt, rechargeur automatique. Colt recharge instantanément 2 munitions. Pas mal. Et on débloque un nouveau brawler. Ça c'est un méga pack opening. Un maximum de GG, on débloque enfin notre Frankenstein. Un coup de marteau de Franklin, onde de choc qui percute ses ennemis. Son super est si puissant qu'il étourdit les adversaires. Vraiment pas mal. Et 5 gemmes, nice, 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 nice. Super beau loot au fait. Ça c'est magnifique, magnifique, comme on dit. On récupère les 50 pièces. Les points de pouvoir qu'on va attribuer. Qui on va attribuer ça? Sûrement à Jessie, hein, parce qu'on est bientôt niveau 10. Et on va ouvrir notre grosse boîte avec les 3 dernières. Attention, on continue. Hop, 14 pièces et 4 points de pouvoir pour Polly. Je pense que même on va ouvrir les grosses boîtes. Après les petites boîtes, on verra. Par la suite, je ne pense pas que j'en aurai encore. 48 pièces. 16 points de pouvoir pour Rosa. 34 points de pouvoir pour Gold. Les petites boîtes pour après. Là, je pense que j'ai pas mal de travail à faire avec Franck maintenant. 42 pièces. 24 points de pouvoir pour Polly. Et encore un gadget de El Costo. El Costo. El Costo attrape l'ennemi le proche à sa portée, pardon. Et l'envoie virevolter par-dessus son épaule. Ok, comme une prise de catch. Plutôt sympa. Donc, ouvrir une ou deux boîtes. 30 pièces. 4 points de pouvoir pour et 6 points de pouvoir pour Rosa. Bon, ok. Est-ce qu'on va finir ou pas? Ok, on a eu du bully du monsieur M. Let's go. On va ouvrir la boîte des 7500 trophées. C'est parti. C'est en direct. Croisons les doigts. Et on y va. Let's go. C'est lancé. 62 pièces. 8 points de pouvoir pour Dynamike. 12 points de pouvoir pour Mortis. Et 30 points de pouvoir pour Max. Nice. Bientôt nous sommes au 8000 avec Elise. Bien ça, ça avance. On avance dans le rush des trophées. Let's go. Ça c'est plutôt sympa. Où est-ce qu'il se trouve? Il est là. Hop là. Choisir. Et il nous reste combien de brawlers du coup à débloquer? Plus beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 brawlers à débloquer. Nice. Un maximum de GG. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésite pas à t'abonner. On fera un autre unboxing une fois qu'on a atteint 10 grosses boîtes. Hein. Je pense qu'on aura bientôt vite fait atteint ce chiffre. Merci à toi d'avoir regardé jusqu'ici. Donc n'hésite pas à t'abonner et à partager la chaîne. Et un maximum de pouces bleus pour cet unboxing. Encore une fois, avec beaucoup, beaucoup de chance, je pense. On a débloqué pas mal de gadgets. Et ça, c'est super chouette. On va pouvoir aussi augmenter tous les niveaux de nos brawlers. La prochaine vidéo, ce sera sûrement du Minecraft, une petite survie ou quoi. Enfin, on verra.
restez chez vous.